Et coucou tout le monde. Alors oui, j'ai pas streamé hier finalement, hier après-midi. J'ai streamé hier matin, mais pas hier après-midi. J'avais pas la force. Je vais vous épargner les détails. On va juste résumer ça en j'avais pas la force. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais alors attendez. Peut-être que j'ai ma caméra sous la main. Oui. Faut juste que je tire les fils. Non mais quelle idée d'avoir des fils partout aussi, hein, franchement. Mais disons que ma journée est très compliquée. J'ai eu plein de mauvaises nouvelles, plein de mauvaises choses à vivre. Mais aujourd'hui, un petit rayon de soleil s'est incrusté dans ma vie. Est-ce que ça marche? Alors. C'était pas là où je branchais la caméra, visiblement, parce qu'il détecte pas le truc. On va changer de port USB. Est-ce que c'était là que je branchais la caméra? Début de stream. En fanfare. Alors, que je regarde. Est-ce que ça marche? Oh! Oh! Voilà. Alors regardez-moi ça. Je vous présente officiellement le petit Sora. Bon, c'est un peu sombre parce qu'il est sous le bureau, hein. Voilà, ça c'est le dessous du bureau. Il y a mon tapis de souris. Il y a mon tapis de table. Mon sous-table. Mon sous-verre. Mon sous-plat. Mais regardez le petit bébé. Regardez le petit bébé qui fait le dodo. Voilà. Bon, je vous montrerai bien Noctali, mais elle s'est planquée dans la chambre. Mais par contre, là-bas, oups, là-bas, il y a le bébé. Coucou. Des chats partout. Alors, est-ce que je peux laisser la caméra? Comme ça, en même temps, ça me permettra de le surveiller. Sans que j'aie besoin de me pencher toutes les 2 secondes. Alors. Tout petit, le petit bébé. Dans un coin. Voilà. Ah non, pas comme ça, comme ça. Bon, ça cache une partie du jeu, certes, mais c'est important. Comme ça, je peux le surveiller. Mais il est tout petit, tout petit, tout mignon. Oui, au pire, si j'ai besoin de me reposer, au pire, je pourrais toujours laisser la caméra sur le chat. Je vous mets de la musique et je m'allonge. Meilleur stream. Meilleur stream qui soit. Ben, il n'y a pas la catégorie chat dans Twitch, mais il y a la catégorie IRL. Alors si je diffuse une précédente vie, à la limite, je peux rediffuser une vieille VOD. Je mets la caméra chat et puis voilà, la magie est faite. Ah oui, rappelez-vous, grand moment. Les chaussures pouic-pouic. Remettons la parapluie rouge. Alors, hors stream. J'ai juste été faire 2 petits trucs. J'ai été réexplorer le bateau parce que j'ai oublié un anneau qui était à côté d'un coffre. C'est mes chaussures jouets, elles font pouic-pouic, elles sont parfaites. Et je suis retournée au train parce que je regarde un streamer qui fait le jeu et qui avance à peu près au même rythme que moi et qui a choisi la même route que moi. Donc du coup ça me spoile rien du tout, c'est parfait.
Sauf que il a fait des trucs que moi j'avais pas vu. Du coup, je suis retournée dans le labo parce que j'avais raté cette pièce cachée. Et je suis retournée dans le train où j'ai affronté cet ennemi qui sert un peu de jumpscare. Alors, en fait, vous êtes dans le train, vous y retournez, vous commencez à vous endormir et puis vous voyez ce truc qui se rapproche et puis paf! Dans votre gueule. Donc, heureusement que j'avais vu sur le stream de Vinny, parce que sinon, j'aurais flippé. Mais du coup, j'ai pas du tout aimé, mais je l'ai gardé pour vous. Et par contre, quand vous l'affrontez, il est ridicule. Il fait super mal, donc la meilleure technique, c'est de se foutre sur la caisse, sur le coffre, hors d'atteinte, et de le bourrer de là, comme ça au moins vous êtes tranquille. Sinon, je suis arrivée deuxième sur Crash Team Racing en ligne. C'est moi. J'ai la preuve, il y a marqué Lulu. C'est moi, j'ai gagné. Bref. Mais non, pas un marqueur. Et nous, on en était... Ah, il y a un monstre à affronter ici. Ah oui, on avait commencé à réouvrir la bibliothèque par ce chemin-là. Bon, ça fait un peu loin, mais je vais me TP ici. Et faire tout le tour comme ça. Paf, 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 paf. Pour reprendre là où on en était. Et ouais, deuxième. Et en plus, c'était un match sans lag. J'ai halluciné. J'étais là, je fais waouh. Les joueurs ne sont pas téléportés. Les bombes ou les autres trucs qui t'arrivent dans la gueule, ils m'ont pas explosé de manière soudaine. Non, c'était bien fait, c'était un match stable. J'étais étonnée. Sur un circuit que je connaissais pas en plus, donc je suis très contente, c'est pour ça que j'ai scrimé. J'ai scrimé. Ah ! J'ai screené. Ah oui, c'est vrai, alors attendez. Parce que j'ai récupéré un fragment en plus, donc ça je peux le changer et j'avais flèche véritable. Donc je peux faire raccourci coller actuel. Et comme j'ai un raccourci supplémentaire, je peux maintenant avoir le rayon réflecteur sans avoir à changer de truc. Comme ça je peux tirer des flèches. Et si on allait voir notre ami le barbier? Todd a maîtrisé une nouvelle coiffure! Bon, avec mon casque, on va pas voir grand chose, mais... On va mettre ça. Allez. Je reste sur le rouge. J'ai les yeux jaunes, on va mettre les yeux rouges. Allez. Ça change beaucoup. Que donne la coupe de cheveux sans le casque? Très bien. Oups. C'est bien comme ça, j'ai la caméra, je surveille, il fait dodo. Non, puis ça va, la caméra, là où je l'ai mis, elle vous cache pas grand chose, elle vous cache pas les points de vie, elle vous cache pas les noms des monstres, elle vous cache juste une petite partie de l'écran, mais on peut pas tout avoir. Hein. Zut! Voilà. Ah
Est-ce que celle-là, je peux la faire tomber aussi? Pendant que mon familier essaie de squatter désespérément à côté de moi. Ah, j'ai réussi. Ah! Les réactions de Sora en direct live à maman qui joue. Alors, je continue en bas. Je vais juste aller voir si je peux monter, parce qu'il y a des coffres là-haut. Ne tombe pas, toi. Ah, c'est sûr que le familier que j'ai, c'est pas le plus adapté pour les déplacements verticaux. Parce qu'il a un peu de mal à suivre. Mais je l'aime bien, il fait marrer, donc je le garde. Ok, donc là j'avais récupéré les corps. Aïe. Là il y a deux coffres. Y'a pas un mur qui se casse? Attendez, je vais changer d'arme. Qu'est-ce qui tape vers le haut? La clé mort. Ah mais c'est au... c'est sur l'écran d'après, imbécile. Il y a des coffres. Oui non mais c'est à côté. Ah, oh, je suis fatiguée. Hein. Alors c'est ici qu'il faut voir si je peux accéder au coffre. Ah non. Oups. Le retour de mon skill légendaire. Ah oui. Bon, on va dire qu'on peut pas. Il s'est pris les flèches. Sabot infernal. Ah zut, tu pensais réussir à esquiver. Oh. On va s'arrêter au point de sauvegarde pour reprendre un peu de vie, hein, ce sera pas du luxe. Putain, je suis déjà niveau 35 et j'ai massacré 2275 monstres. Ça va. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse faire ici. C'est... non, c'est trop haut pour moi. Ok. Donc alors, on repart par là et on continue tout droit. C'est tout simple. Je vais même avoir le temps de boire mon café peut-être. Ah, il fait de son mieux, hein, le buère, pour essayer de sauter et de suivre mes mouvements, mais
Il est un peu court sur pattes. Oh, c'est très rigolo, vous allez voir. Elle va lui fermer la porte au nez après. Il va venir derrière elle, il va se retrouver coincé, vous allez voir. Ah non, ça fait pas comme ça fait pas comme dans le train. Parce que quand j'étais à la changement au changement de zone du train, elle lui fermait la porte au nez. Et du coup, il se retrouvait bloqué derrière la porte, il essayait de toutes ses forces de l'ouvrir, c'était très rigolo. Ah mais t'es pas morte! Je pensais qu'elle était morte! Mais non, pas du tout! Et en plus, je suis empoisonnée! Et j'ai plus d'antipoison! Faudra que je regarde si je peux en craft. Des fraises! Aïe! Aïe! Voilà, donc on en était plus ou moins là. J'avais abaissé le pont. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je recommence en haut? On va essayer de rejoindre le passage de la bibliothèque en bas pour faire la connexion entre les deux endroits. Alors, avec le Jinrai comme technique, dégainez votre épée et frappez les adversaires d'un mouvement violent avec un Raikiri et un Mikazuki. Ok. Un Raikiri. C'est quand il est content de travailler qu'il a été une fillette. Oh, les piques! Une chaise. Oh! Oh, la connasse de chaise! Je vais farmer son fragment. Alors dans la bibliothèque, le changement... Oh non, l'objet! Faut que j'aille dans les pics pour le récupérer. Dans la bibliothèque, ça arrive souvent que les temps de chargement soient un peu lourds. Oh bah voilà, il a disparu, j'aurais dû sauter. Parce que les pièces sont souvent grandes et il y a souvent beaucoup de trucs à charger, donc les temps de chargement sont un peu longs. Est-ce qu'elle a un fragment? Là. Alors. Imitation de chaise. Oui! Oh mais regardez ça! Oh! Aïe 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 aïe! Je suis une chaise! Ah! Ah, quand on appuie sur moi, on les voit en plein écran! Ok, je savais pas. Y a pas de soucis. Coucou Aurore. Je te répondrai après du coup. Massacre de chaises! Putain, heureusement Camille n'allait pas posséder. Je serais mal sinon. Ça va être quoi son fragment? On va invoquer une chaise? Ah oui, il y a le dragon! En vrai, faudrait que je farme les deux en même temps. On va aller taper le dragon. Aïe, aïe. Oh bah parfait du premier coup, magnifique. Ouais, je devrais attaquer par la droite effectivement pour éviter que ça tombe dans les pics. Mettez des ennemis en pièces avec des griffes de dragon. Très bien. Ah oui.
Ok, non, ouais. Oui, je viens d'invoquer la force des tentacules. C'est un des tout premiers fragments que tu récupères. Et j'invoque des tentacules géants. Je vais me remettre sur mon stuff chance. Et on va farmer... Je vais farmer le dragon parce que il va peut-être pouvoir me donner des œufs de dragon, j'imagine, ou je sais pas quoi. En plus, le dragon saigne, du coup, je peux me soigner. Ah oui, il a changé de position. Il a bougé. On voit pas très bien, mais en fait, c'est ses pattes arrière. La grosse tache blanche, c'est ses pattes arrière qu'il a étiré à fond. Et il a une petite tache blanche sur le dos, c'est trop mignon. C'est trop bien les raccourcis, c'est beaucoup trop bien. Mais non! Mais non! Pas comme ça! Alors, Nissi, elle est en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc elle lui folle un peu dessus pour l'instant. Mais elle va s'y faire très rapidement. Elle a mis moins d'une semaine à s'adapter à Noctavis, qui est très rapide, sachant que Noctavis a quand même du caractère. Et lui, par contre, Sora, il cherche vraiment à être près de moi. Il cherche vraiment à être près de moi. Il n'hésite pas, il essaie de se défendre. Genre, il fait le gros dos, mais c'est une toute petite crevette, du coup c'est ridicule et c'est trop mignon. Mais voilà, je sais que ça va prendre à peu près quelques jours, une semaine. Mais ça devrait se faire assez rapidement, j'ai confiance. Parce que Nissi, elle a beau faire genre, elle s'adapte très rapidement à la situation. Et Noctavis, bon, elle l'observe un peu de loin, elle est curieuse, mais elle vit sa vie dans son coin, quoi. C'est plus bon d'accord avec quelqu'un d'autre, mais laissez-moi mon coin de bébé tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu sais que je parle de toi et de Noctavis? Parce qu'elle est couchée, puis elle vient de lancer un sauvage. Je suis un chat triste et seul, désespéré, on s'occupe pas de moi. Mais mon bébé. Bah alors. Oui, non, elle s'adapte très rapidement en vrai. Elle est curieuse, elle surveille ce qu'il fait. J'ai confiance, ça va se faire assez rapidement. Et puis non, elle doit se dire qu'il va y en avoir d'autres après, mais non, ça doit être... Je crois que c'est suffisant parce qu'après, à la maison, on n'aurait plus de place sinon. Comment ça me manquait de MP? La chaise, elle est pas très, sympa. Hein. Elle va pas me lâcher son fragment. C'est ça. Il y a des envahisseurs dans mon royaume. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Bon, j'ai récupéré quelques écailles de dragon, ce qui est pas mal. J'imagine que ça va peut-être me servir pour faire d'éventuelles armures. Ce serait bien qu'il me lâche un œuf. Parce que comme ça, je pourrais faire des crêpes, si c'est pas déjà fait. Aïe.
Ah oui, non, mais l'étirement des papattes arrière, c'est... Ah, châtaignier. Tiens, comme c'est étrange pour une chaise de lâcher du bois. Oui, non, ça, c'est pas quelque chose qu'elle peut savoir. J'ai beau lui dire, des fois, il comprend pas ce qu'il dit. Une griffe de dragon. On n'avait pas encore eu ça. Les familiers qui doivent se dire, bon, tu te décides, là, entre le buer et l'épée, là, haut. Putain, la chaise. Mais la chaise. Pire monstre. J'arrête de marcher aux ennemis. Oui, c'est à mon tour. Non, c'est à moi. Non, c'est à mon tour. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Mais oh. La guerre entre les familles. Aïe. Je brûle du cul. Un œuf de dragon et 100 or. Parfait. Alors, je l'avais pas tué. Oups. On va farmer la chaise. Mais en la tuant, ce sera mieux. Je pense qu'elle est morte. Non, je me suis assise dessus tout à l'heure et la chaise elle m'a emmenée direct dans les pics. Dans les picots là. Oh là, c'est un truc bizarre. La chaise m'a emmenée dans les pics et ça m'a fait super mal. Donc je lui casse la gueule avec, avec une bonne raison. Puis en plus c'est un espèce de mimique de chaise. C'est une fausse chaise. C'est pour la fonction massage. Alors j'adore les massages, mais ceux-là, je suis pas sûre de les aimer. Je viens de dire qu'elle décède la chaise. C'est quand tu veux. Franchement, c'est quand tu veux le fragment. Ah, bah voilà. C'est ça en plus. C'est littéralement ce que j'avais dit tout à l'heure. Invoquer une chaise. Les fragments, est-ce que t'as joué à Dawn of Sorrow ou Aria of Sorrow? Parce que si c'est le cas, c'est exactement le même principe. Si c'est pas le cas, en fait, les fragments. La plupart des démons en ont. Comme tu peux voir là, il y a plein de fragments, plein de démons. On a des fragments avec un sort actif, une attaque par exemple, un truc comme ça. Donc là, ça va être des sorts d'attaque de manière générale. On va faire appel à quelque chose ou on va balancer quelque chose à la tronche des ennemis. Là, on a des effets. On peut par exemple utiliser une main géante pour déplacer des objets ou se transformer en lapin, enfin en Yugi. On peut se guérir ou avoir une ombre sacrée, etc. Donc ça, c'est plus des actifs passifs. Là, on a des autres sorts d'attaque où on balance dans une direction, que nous, on choisit. Parce que des fragments rouges, on ne choisit pas la direction dans laquelle le sort va être lancé. Les fragments violets, par contre, on peut choisir avec le stick droit dans quelle direction on va lancer le sort. Donc là, on va pouvoir
dans toutes les directions. Donc là, moi, je suis sur flèche véritable, ce qui fait que quand je fais ça, paf, je balance des flèches. Ensuite, on a des fragments passifs qui vont, par exemple, là, me permettre parfois de voler de l'or aux ennemis ou voler des objets si j'améliore le fragment. On peut avoir aussi également des boosts de stats, par exemple pour bloquer la malédiction, la pétrification, avoir des bonus de résistance au poison, lumière, foudre, etc. Donc ça c'est des passifs. Et on a des fragments de familiers où on peut avoir un familier qui nous suit, qui va nous aider à combattre ou qui va nous soigner, comme l'a fait Carabos, qui va balancer parfois des petites potions pour nous soigner. Et c'est exactement le même principe que les âmes dans Aria ou Dawn of Sorrow, je sais plus, les deux. Et donc voilà. Là, je suis sur mon stuff chance, pour augmenter les chances de faire apparaître les drops rares, des trucs comme ça. Alors attendez, j'invoque les chaises et je m'assois dessus. Voilà. Oh putain, j'avais jamais fait gaffe, la régène de MP, elle est folle quand on est assis. J'avais jamais fait gaffe à ça. Oh, ma chaise, elle est cassée! Et là, je vais me remettre sur mon stuff d'attaque. Alors, faisons le tour de la pièce. Non, je vais d'abord... Je suis partagée entre l'idée de retourner là-haut pour sauvegarder et l'envie de retourner juste là. Non, on va retourner là, ça me paraît plus près quand même. Pauvre familier. Au revoir. C'est ça. C'est y a un certain taux de drop sur les ennemis. Il y a des fragments qui sont garantis. Par exemple, s'il y a certains boss, ils peuvent se donner des fragments. Et ça va être quasiment sûr à 100% que tu vas avoir le fragment à l'issue du combat. Mais sinon, les ennemis que tu rencontres plus régulièrement, ça va être un pourcentage de chance d'avoir le fragment en question. C'est pour ça que j'ai sur mes raccourcis, j'ai un stuff spécial qui augmente bien ma caractéristique de chance, parce que ça augmente le taux de drop d'objets par les monstres, ou le drop de fragments, ce genre de choses. Mais quand je farme pas, j'ai un stuff d'attaque pour pouvoir les tuer plus rapidement. Alors, attends, c'est vaste hein, quand même comme endroit. Et ça continue! Non, je peux pas la bouger celle-là. Ok. Ah non! Ah, ça a mis. Bon bah finalement on va les sauvegarder là parce que il se trouve que le chemin que j'ai trouvé revient très facilement là. Oh putain. Bon ça va. Donc ça c'était il faut une clé pour y aller et là par contre on peut aller sauvegarder donc hop on y va. Je finis mon café. Ah.
Ah, il a rétracté ses pattes. Bon, là c'est la grosse sieste de l'après-midi. Tout le monde dort, sauf moi. Bon ben, tant qu'on est en haut, hein, écoutez, on va continuer par là. On va juste retourner dans cette pièce-là pour l'explorer. Donc il faut que je descende. Alors, j'ai pas encore son carnet de santé parce qu'il a eu son premier rendez-vous chez le veto ce matin. Je l'ai eu juste après son rendez-vous chez le veto. Mais parce que c'est une estimation, parce que il a été retrouvé avec lui et ses frères et sœurs dans un carton. Donc c'est une estimation. Il a plus ou moins l'âge d'être sevré. Donc je sais plus à combien de mois ça se porte, mais il a autour de cet âge-là, quoi. Je crois que c'est 2-3 mois, quelque chose comme ça, le sevrage d'un chat. Et comme je disais en MP, l'association, donc les chats sans toit fougeraient. Oh non! Il m'emmène où? Bon, ça va. Donc oui, comme je disais sur Twitter, ça s'appelle les chats sans toit fougeraient. Mais je sais qu'à un moment, elle revenait de Rennes. Et il y a peut-être moyen que de s'arranger, par exemple, si jamais il y a des petits chachas qui t'intéressent. Peut-être, il faudra que je leur demande, je les reverrai dans pas très longtemps pour récupérer le carnet de santé de Sora, etc. etc. Donc, je reposerai la question à ce moment-là si ça t'intéresse. Ok, donc on a complété la pièce là, on va pouvoir remonter. T'as trouvé le chat de ton cœur sur une nation rennaise. Ah bah c'est cool ça, tu m'enverras la photo sur Twitter. C'est fait. Ah bah alors attendez, je vais aller voir, je suis trop curieux. Attends juste hop. Alors. Oh, quelle adorable petite boubouille. Oh, beaucoup trop chou. Beaucoup trop chou. Oh là là, cette boubouille d'amour, mais oh là là. Ah non, mais je comprends. Oups, j'ai quitté la pièce. Ah non, mais je comprends que t'aies eu un coup de cœur dessus. Beaucoup trop chou. Bon, je me trompe de touche. Si j'essaye de reculer avec la touche des raccourcis, ça va pas le faire. Bah, j'espère que tu vas pouvoir... avoir la possibilité de lui rendre visite, parce que je sais que Sora, quand il était encore un peu trop jeune pour être adopté, j'avais la possibilité de venir le voir dans sa famille d'accueil. Mais du coup, il y a peut-être moyen que tu puisses faire pareil avec avec la petite pépette. Je pense que c'est une femelle, je sais pas. Tu rencontres forcément le chat avant de te décider, d'accord. C'est une femelle, ok. T'as déjà décidé d'un nom ou pas encore? Ou tu penses que tu trouveras le nom quand tu la verras? Reviens là, mais reviens! Voilà.
Danaskeli. Ah bah. Parfait. Ok. Boss time. Oh! Alors tout à l'heure on avait un dragon et là on a un vrai gros dragon. Aïe. Tiens, va l'attaquer, va l'attaquer. Ouh, attaque-le. Easy. Il était super beau par contre, effectivement. Mais j'ai pas eu de fragments. Il n'est pas classé avec les boss, tiens. Parce que ça, c'est les boss qui sont ici. Une vampire qui peut manipuler le sang, elle se baigne 3 fois par jour sans faute. Regardez comme elle est belle. C'est ma femme. Il n'est pas avec... T'es un peu trop près, toi. Il n'est pas avec les boss. Donc, et puis il est mort assez rapidement, donc gardien abyssal. On va peut-être le recroiser alors. Ouais, il y a plein de trucs. Il a plein de trucs à drop. Donc, à mon avis. Ah oui, puis il y a une deuxième zone, donc ouais, non. Dans ce cas, c'est pas la peine d'essayer de le farmer. On va le re-rencontrer. Donc, c'est pas vraiment un boss. Et du coup, je sais pas si tu l'as vu alors, Firil. Comme t'as dit que le stream est bugué un peu, je te disais, regarde, c'est ma femme. Elle est belle, ma femme. Mais oui, elle est trop belle. Et oui, boobies. Très important. Bon, visiblement, on sera amené à le recroiser, donc je m'en fais pas trop. Franche, cheveux noirs, boobs, my kind of woman, tout à fait. Non, et puis elle se baigne dans le sang. Je veux dire, c'est parfait. Le sang de tous les hommes qu'elle a tués. Assassinat. Oh putain, la musique. Alors regardez, voilà, ça le fait. Regardez, il est bloqué. Le pauvre familier, il est bloqué par la porte. Ça me fait tellement rire. Alors attendez, je vais quitter la pièce. Écoutez la musique au début. On dirait trop la musique de mort sur les Castlevania. Quand on meurt, le pananananananana. Je le fais pas très bien, mais écoutez. Ah merde, ça va pas reset la musique. Bon, ça va peut-être revenir alors. Attendez, je vais changer complètement de truc. Mais écoutez le début de la musique, ça fait vachement penser au thème de la mort de Castlevania. Non mais c'est complètement ça. Attendez. YouTube. Castlevania. Non, si je marque Game Over, parce que si je marque Death Theme, il va me donner le thème de mort, mais c'est pas ça ce que je veux. Alors. Alors, c'est pas celui-là. Mais ça, c'est les écrans d'introduction. Moi, je veux des Game Over. Ah si, c'est les Game Over. Alors, c'est pas celui-là non plus. Non.
Non plus. Oh, je vous jure, il y en a un qui ressemble à ce qu'on vient d'entendre dans le truc, hein, je vous jure. C'est la mort qui m'a assassiné, Marcia. C'est peut-être pas un thème de Game Over alors, c'est peut-être un thème de mort alors. Ça, c'est pas celui-là parce que celui-là je l'ai pas fait. C'est pas celui de Symphony of the Night. Ça y ressemble un peu, il manque le game over par-dessus. Game over, non, presque. Oh, c'est terrible. Je le trouve pas, attendez. Non. Je trouve pas le thème exact que j'ai en tête, c'est frustrant. Attendez, je vais juste regarder ça. Ah bah voilà! C'est celui-là! Écoutez! Voilà, c'est ça! C'était complètement ça. Pas ça. C'est ça que j'avais en tête. Écoutez. Non mais c'est trop ça. Allez, viens. Enfin bref, voilà, on a perdu du temps pour ça, mais c'était complètement ça, on est d'accord. Elle est venue en mode RIA! Puis elle est partie. Tu vas revenir un jour la fée ou pas? Non? Paf! Là il est il fait presque un arc de cercle, il est full flexible. Potion de soin R ultime. Nice. Ah, ça serait bien si le seigneur il pouvait redropper son fragment, comme ça je pourrais faire level up mon épée. Attendez, je vais me mettre dessus. J'ai raté. Je vais me mettre dessus, voilà.
de la laine du mithril et du platine. Je vais juste farmer un peu le fragment d'épée. Ah, très important. Oh. Ce thème. J'adore la voix de l'épée. Oh. Allez, j'en veux un deuxième. Viens, sois gentil. Putain, mais comment ça lui passe au travers? Genre tes flèches, c'est de la merde. De l'argent, merci. Mais en tout cas, du coup, bonne nuit. Repose-toi bien, j'espère que tu arriveras à dormir correctement. Mais oui, va directement sur l'épée. Quelle bonne idée. On s'amuse. Il va pas en fait. T'as changé d'avis. Level up. C'est vrai que je pourrais farmer les deux ennemis parce que les deux drop un fragment de familier donc. Ah bah oui, ce serait très bête de le rater le cours demain. Oh là là. Quelle bande de radins, ces monstres. Ils sont pas sympas, partagez les fragments. Faites péter les fragments. Ouais, non mais je comprends, quand j'étais à la fac, c'est pareil. Il y avait des fois, il fallait que je me repose, mais j'allais quand même en cours parce que je me sentais trop mal. Oui. Bon, le loot, je l'aurai après, donc hop. Ah bah oui, ce serait bête de rater 3 heures à ne rien faire. Non, puis c'est pas comme si t'étais dans un pays qui était permissif au niveau des absences. Aussi. Aïe. Ah, yes! Est-ce qu'il y a une salle de sauvegarde ici? Oui. Bah très bien, on va pouvoir farmer en toute sécurité.